supposer que pour sans la vie ban habitant dans sa région, dans l'ouest, sud-ouest plutôt, le monde fit en flac, etc., qui pendant des années nous tout connaît comment se met bloqué ici avec gros trafic qui est là. Et aujourd'hui, avec un partenariat avec Medine, côté Medine, puis un cost-sharing mechanism, nous pouvons faire un nouveau chemin. Et bon, si nous mentionner que dans ce chemin-là, nous pouvons faire provision pour une dual carrière jouée. Les pour finir, ils peuvent prévoir que jusqu'à 2035, nous ne pas se poser aucun problème dans sa région de l'île. Côté justement, pour faire un chemin moderne et comment se trouver un petit peu partout à travers le pays. Le pays a un sentier, développement peut continuer à venir. Et aujourd'hui, avec mon camarade Alan Ganou qui est ici présent, Moussia qui est dans sa région-là, dans le numéro 14, c'est une nouvelle vague de développement qui peut commencer. Et qu'en est-il en ce qui concerne les travaux? Ben, tout est fin prêt, c'est là que ça on trouve nous là aujourd'hui. Nous pouvons constater un peu de visu tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et tout passe bien, ben, nous supposons commencer les travaux ben, d'ici fin février, début mars 2020. Ce chemin-là même, il coûte nous à peu près, bon là, il peut lancer un tender, mais il est estimé à une coste à peu près de 700 millions d'euros. Quel impact pour l'environnement peut-être si nous même y arrivons? Non, mais tout ça là peut faire, hein, tout ça là peut faire, on fait attendre. Et nous avons tout ban IAE peut faire, alors nous attendons ban dernier rapport IAE approuvé et tout va se faire dans les règles de l'environnement. Ban habitants qui restent sur la côte de la Rivière Noire et aussi à Flic en Flac, quand ils étaient là pour retourner la case ou bien à le travail, c'est de la misère. Avec le développement qui finit dans les dernières années, avec le trafic qui finit d'augmenter, aujourd'hui c'est la route là, on prend depuis côte noyée là, on prend Pierrefonds pour aller jusqu'à Flic-en-Flac ou bien Tamarin, Rivière-Noire, c'est mon pensée, une des bandes ATL les plus congestionnées dans Maurice. Et ça finit d'arriver les derniers 3-4 ans. Mais plusieurs fois au Parlement, la question est soulevée. Et en particulier vis-à-vis Flic en Flac. Vous connaissez Flic en Flac aujourd'hui, il y a une seule chimée qui permet de ben habitants de Flic en Flac pour venir l'eau Bossons, bien l'eau Palmant, bien l'eau Quatre Bornes. Donc, ce qu'il peut faire aujourd'hui, là, ce qu'il nous peut faire, premièrement, c'est la route de 27 km. Et pour permettre donc la région de l'Ouest, ben habitants de la région de l'Ouest, emprunter une nouvelle route pour aller jusqu'à la Vigie, sans aucun problème de congestion. Donc, la route a trois composantes qu'on devait trouver, mais la première composante, c'est qui pour commencer en premier, mot pensé, c'est sa boute sortie depuis Flic en Flac, parce que Manissala, il pouvait venir jusqu'à ici, quand nous étions là. Donc, il peut bypass l'ancienne route et pour permettre donc une plus grande fluidité du trafic. Donc, c'est pas seulement un habitant de Flic en Flac. Les vacanciers pendant le week-end qui viennent Flic en Flac qui pour soulager, comment vous dites là, c'est tout ban habitant, ban citoyen de Tamarin, Rivière Noire, Petite Rivière Noire, Case Noyale, Le Monde, qui grand matin à travail dans Quatre Bornes ou bien dans la région ici. Donc tout ça là maintenant pour gagner sa nouvelle route là et vous permettre ça ban habitant là aussi, à directement l'eau la visite, pas pour bien passeport Quatre Bornes ou bien par Curie. Donc, comment vous devez trouver, c'est un grand soulagement pour la région de l'Ouest. C'est la région de l'Ouest qui peut libérer par ce nouveau projet-là. Et nous n'avons aucun doute que les travaux vont commencer en temps de lieu, en respectant toutes les procédures, y aller avec les autres PMI. Et bon, Dieu béni, dans un an et demi, dans deux ans, mon pensée, moi, c'est que mon comprend. La première étape du projet, c'est-à-dire Flic en Flac, jusqu'à ici, Pierrefonds, pour une finie. Donc, ça cauchemar que mon habitant de l'Ouest peut vivre aujourd'hui pour une derrière autres, ce sera du passé.